title of this show is called I Write, I Scream, based on the work of my brother and my work. Most of the work that I did, or the most important work of this show, is these three canvases. These three canvases are carrying the name of the show, who is I Write, I Scream. Talking about the first canvas, who is this one? This is called I Scream. Is to show really the strength of the emotional and the feeling of the loss, and really trying to get as little or no control of the strength of the emotion. So it's why it's called I Scream. The second that you see on the top, it's called I Write, because I'm trying to bring all this emotion and putting more as a control of trying to write, and even with the difficulty, as you can see, of this kind of like very intense, but still with some type of order. So from a very unstructured I Scream to something more structured I Write, to hopefully, and I also coming to a spiritual elevation of the third canvas, which is called Seventh Seal, based on the Bergman movie where everybody is like dancing up to the sky. So I Write, I Scream, I Write, and the Seventh Seal. This is what the show is all about. En français, nous dirons que l'exposition est basée sur les travaux de mon frère et mes travaux, en étant la pièce principale de ces trois tableaux. Le premier tableau, qui s'appelle « Je crie », qui est vraiment l'expression la plus viscérale et la plus forte de son manque et de sa disparition, qui est un tableau où il n'y a absolument pas de contrôle, ou très peu de contrôle, mais vraiment l'expression pleine de sa perte. Le deuxième tableau s'appelle « Je crie et j'écris », où j'essaie de mettre en place une espèce d'écriture pour exprimer son départ. So, d'un tableau qui est complètement émotionnel et viscéral, à un tableau un peu plus structuré, où on voit quand même les difficultés pour arriver au troisième tableau, qui est une élévation spirituelle qui s'appelle Le Septième Sceau, basé sur le film de Bergman, où on voit que les personnes marchent et s'envolent vers un septième ciel ou un septième sceau, où ils disparaissent avec la mort, mais dans une élévation spirituelle positive. So, j'écris, et le septième sceau. Ça, c'est la carte de la représentation de cette exposition qui durera encore quelques semaines et éventuellement restera à jamais gravée dans nos mémoires.